Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire mes premières découvertes, l'escargot. L'escargot porte sa drôle de maison sur son dos. À quoi lui sert cette coquille? Comment glisse-t-il sur le sol? Pourquoi aime-t-il la pluie? Découvrons aussi tous ses cousins terrestres ou marins. Se cache dans cette grosse coquille. As-tu déjà repéré dans la nature des coquilles de toutes sortes? C'est l'escargot. L'escargot porte sa maison sur son dos. Comme la plupart des mollusques, il a une coquille qui protège son corps mou et visqueux. Au moindre danger, il rentre dans sa coquille. Il possède deux paires de cornes sur la tête. Les plus longues portent des yeux pour se diriger. Les plus courtes servent à toucher et à goûter. L'escargot se déplace en rampant lentement sur un muscle plat appelé le pied. Il laisse une trace de bave brillante sur son chemin. Il avance de 6 ou 7 cm par minute. Le dessous du pied est couvert de bave qui permet à l'escargot de glisser sur le sol. La plupart des escargots sont herbivores et ils ne mangent que de l'herbe et des plantes. Sa langue est couverte de centaines de petites pointes qui râpent les feuilles. Salade, herbes, feuilles, champignons. L'escargot vit dans les endroits sombres et humides. Il craint le soleil, car si son corps sèche, il risque de mourir. Il peut escalader une écorce tranchante sans une égratignure, grâce à la couche de bave sous son pied. Au printemps, les escargots s'accouplent. Il n'y a pas de mâle ni de femelle. Tous les escargots peuvent pondre des œufs. L'escargot pond ses œufs dans un nid qu'il a creusé dans le sol. 3 semaines plus tard, les petits sortent de leurs œufs. Avant de devenir adultes, les petits passent leur temps à manger pour grandir. La coquille de l'escargot grandit avec lui. Il dépose de la bave sur le bord de l'ouverture et la laisse sécher. Observe les spirales obtenues au fil de sa croissance. Au début, la coquille est molle et transparente, puis elle durcit et change de couleur. En automne, l'escargot choisit un endroit abrité pour s'enterrer avant de dormir tout l'hiver. Il ferme sa coquille avec de la bave qui durcit en séchant. Il est ainsi protégé du froid pendant l'hiver. Quand arrive le printemps, il se réveille et sort de sa coquille. Des animaux qui menacent la vie de l'escargot. La chouette, la fourmi, le carabe, le renard, le blaireau. Découvre différentes sortes d'escargots qui vivent sur la terre. Escargot arboricole, escargot des haies, Acatine d'Afrique et d'Asie, escargot petit gris, escargot de Bourgogne. En voici d'autres qui vivent dans l'eau douce. La planorbe, la limnée ou dans l'eau de mer, le bigorneau, le puçon. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!